David Vinitucci et Annick Cizaruc, donc ici. Je vous les annoncerai juste après. On va les laisser faire. Nous sommes, je vous le rappelle, depuis le studio Bastille à Paris pour ce cabaret d'Olivier Py. Il patinait merveilleusement, s'élançant qu'impétueusement, arrivant si joliment, vraiment. Fin comme une grande jeune fille, brillant, vif et fort, tel une aiguille, la souplesse et l'élan d'une anguille. Des jeux d'optique prestigieux, un tourment délicieux des yeux, un éclair qui serait gracieux. Parfois il tournait comme invisible, vitesse en route vers une cible, si lointaine, elle-même invisible. Qu'est-il advenu de lui? Que sera-t-il advenu de lui? En tout mignonne, puis
place des trottoirs, très tard dans les brasseries borgnes. Très tard dans les brasseries borgnes. C'était David Venitucci à l'accordéon et Annick Cizaruc qui chantait pour nous. Ils vont venir nous retrouver à la table. Oui, ils sont en train de partir de l'autre côté, mais non, venez avec nous qui nous chantait ici eh bien, deux choses, trois choses en fait. D'abord un solo de David en équilibre et puis deux chansons de Léo Ferré. D'après Verlaine, d'abord il patinait merveilleusement et d'après Apollinaire, Marie. Merci à tous les deux. Bienvenue. Prenez-vous un micro chacun pour nous parler un petit peu. D'abord Olivier Pie, donc vous avez bien aimé la surprise de Patricia. Oh, qu'est-ce que c'était beau. C'est bien, hein. Qu'est-ce que c'était beau. Je ne suis pas sympa parce qu'on fait de la concurrence à Miss Knife avec tout ça. Non, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Et vous savez, quand on entend des artistes qui se donnent comme ça, on n'apprend pas simplement à chanter, on apprend à vivre. C'est ça qui transcende tout à fait les genres musicaux. C'est toujours quelque chose de l'ordre du don de soi. Que totalement extravagant, c'est extravagant de chanter, non, c'est une chose complètement folle. C'est pas normal. Qui nous demande ça, n'est-ce pas? Personne dans la société nous demande de faire ça. D'où vient cette demande d'aller se prendre ce risque considérable et de s'offrir comme ça? Merci, chapeau bas.